Oh, mais c'est pas possible! On ne va jamais arriver à joindre les deux bouts si on veut à la fois rénover la toiture et faire l'isolation des murs. Papa, je suis sûr que t'as même pas contacté le point Rénovation Info Service. Il te renseigne sur les aides auxquelles tu as droit. Easy! Décidément, il m'épate un peu plus chaque jour, mon fils. La philosophie du dispositif GécoRénov' J'économise, mis en place par l'État en 2013, est l'accompagnement des particuliers dans leur parcours de travaux de rénovation énergétique pour trouver des aides financières dont ils peuvent bénéficier. Un des piliers de ce dispositif est la prime de 1 350 € à laquelle environ 2/3 des propriétaires occupants sont éligibles. Cette prime de 1 350 € permet de financer des bouquets de travaux. Donc ils sont constitués de 2 actions parmi 6 catégories prévues par la réglementation. Il fallait un bouquet de travaux. Donc nous avons profité de cette aide pour faire donc, le poêle et les fenêtres et la porte d'entrée. Le montant moyen d'un bouquet de travaux est de l'ordre de 17 000 €. Il faut savoir que des aides sont cumulables avec la prime de 1 350 €. On peut citer le crédit d'impôt développement durable qui se demande simplement via la déclaration d'impôt sur le revenu. Cette aide de 1 350 € est cumulable également avec des aides locales. On peut également citer l'éco-prêt à taux zéro. Donc le montant total de mes travaux est de 13 321 €. Et sur ce montant-là, donc j'aurai 3 330 € en crédit d'impôt qui s'ajoute aux 1 350 € de la prime éco-énergie. Systématiquement, on encourage les particuliers à aller sur des bouquets de travaux, d'une part pour obtenir un gain énergétique plus conséquent, et puis d'autre part, ça permet de mobiliser plus d'aides financières et donc d'arriver à un équilibre financier de l'opération meilleur. Pour bénéficier de la prime de 1 350 €, il faut faire au moins 2 types de travaux de rénovation énergétique différents. La prime de 1 350 € peut être cumulée avec d'autres aides. La réalisation de bouquets de travaux permet d'obtenir un gain énergétique plus conséquent. Lucas, en attendant de rénover ta chambre, tu pourras la ranger, hein ?